Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici ce matin en compagnie du premier ministre Legault. François, c'est un grand plaisir de pouvoir te voir en personne. On est aussi en compagnie de François-Philippe Champagne, ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et de Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, ainsi que du président et fondateur de Lion Électrique, Marc Bédard. C'était un grand plaisir d'être ici en personne avec vous tous aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais dire quelques mots sur la campagne de vaccination qui est en mode accélération partout au pays. Ce matin, j'ai visité le centre de vaccination ici au Palais des Congrès. Je peux vous dire que ça fait du bien de voir qu'il y a plus en plus de gens vaccinés. On peut deviner leur sourire derrière leur masque. Chaque fois qu'un parent ou un grand-parent appelle ses proches pour leur dire qu'il a reçu son vaccin, c'est une famille de plus qui est soulagée. Au Québec, c'est plus de 750 000 vaccins qui ont été administrés jusqu'à maintenant. Across the country, more than 3 million vaccines have been administered so far, and that number will keep going up. From March 22nd to May 10th, Canada will receive at least 1 million doses a week from Pfizer alone. Whether it's here in Montreal or in hospitals, clinics, and pharmacies across the country, I want to thank each and every healthcare worker who's part of this effort. We're now in the ramp-up phase of this vaccination, and with your help, more Canadians are protected every day. Of course, ramping up efforts to keep people safe and communities healthy doesn't stop with vaccines, and that's what we're here to talk about today. Il y a un peu plus d'un an, j'ai visité l'usine de Lion Électrique à Saint-Jérôme en compagnie de Marc et de plusieurs de ses employés. Comme je le disais ce jour-là, c'est une priorité importante pour nous de soutenir le secteur manufacturier de manière stratégique avec des projets qui vont accélérer l'électrification des transports. Maintenant, plus que jamais, il faut se tourner vers l'avenir et continuer de positionner le Canada comme un chef de file en termes d'énergie et de transport propre. C'est important pour que nos enfants et leurs enfants puissent vivre dans un environnement sain. Et c'est important pour que nos travailleurs puissent avoir de bons emplois payants ici au Québec et partout au Canada. Aujourd'hui, on fait donc un autre pas dans la bonne direction. Par le biais du Fonds accélérateur Net Zéro, le gouvernement fédéral va investir près de 50 millions de dollars dans le nouveau projet d'usine d'assemblage de batteries pour véhicules zéro émission de Lion à Saint-Jérôme. Grâce à cette usine, Lion va devenir le premier fabricant de véhicules de poids moyen et lourd au Canada à produire ses propres batteries. 80% of the parts used by Lion Electric to build their vehicles are sourced from almost 300 Canadian suppliers. So not only will today's investment help create directly more than 285 good jobs over the next few years, it will also support the entire Canadian supply chain. And that means even more good jobs right across the country. As cities, governments, and businesses move more and more to electric vehicles, demand is growing, and it's growing fast. We're here to support that clean transition. Earlier this month, we announced funding to electrify transit systems, funding that will help us deliver on our commitment to put 5,000 zero-emission buses on Canadian roads in the next 5 years. Avec les projets comme ceux-ci, et en continuant de travailler ensemble dans la même direction, on va surpasser nos objectifs pour 2030 et atteindre la cible zéro émission d'ici 2050. Quand on parle d'une relance économique qui est bonne pour les travailleurs, pour les familles et pour l'environnement, c'est exactement de ce type de projet qu'il s'agit. Avant de terminer, je veux remercier encore une fois le ministre Champagne pour son travail remarquable et, bien sûr, je veux remercier le gouvernement du Québec ainsi que Lion Électrique. Marc, tu as bâti un fleuron québécois et aujourd'hui, on peut te dire que tout le pays est derrière toi, tes employés et toi. En mettant l'innovation au cœur de notre relance, on va rebâtir une économie plus propre et plus prospère pour tout le monde.